Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser le nœud d'aiguille qui va vous permettre de remplacer vos nœuds de 8 ou les perles collées sur vos montages. Pour cela, vous avez besoin d'un nylon de 50 centièmes et d'une aiguille creuse qui va vous permettre de réaliser le nœud. Alors pourquoi du 50 centièmes? Tout simplement pour la bonne raison que j'ai essayé avec des diamètres inférieurs pour avoir un nœud plus petit. Mais le problème, c'est que ça arrive à scier le corps de ligne et au lancer, on a des soucis. Le 50 centième, c'est très bien, ça passe partout. Nous allons passer maintenant à la réalisation du nœud d'aiguille. Pour cela, sur ma planche de montage, j'ai préalablement tendu un corps de ligne avec émerillon et perles. Je récupère mon aiguille que je positionne et puis mon morceau en 30 cm en 50 centièmes, biseauté préalablement pour un passage facilité dans l'aiguille. Je le positionne tel que je récupère la partie arrière et là j'effectue 5 spires que je viens bloquer entre mes doigts systématiquement. Maintenant, l'excédent, je le passe dans l'aiguille et je l'enfonce. Je prends l'autre extrémité que je viens tirer pour sentir les spires se serrer entre mes doigts. Là, je retire l'aiguille pour récupérer le fil qui était dedans et je le tire pour venir bloquer le nœud. Là, mon nœud est réalisé et vous voyez que je peux le faire glisser et le positionner là où je veux. Je n'ai plus qu'à le souquer et à le couper au plus ras. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le nœud d'aiguille sur l'autre côté. Je positionne mon aiguille, toujours, mon fil, j'effectue mes 5 spires. Je viens glisser dans l'aiguille mon 50 centième, je récupère l'autre côté jusqu'à que les spires se jointent, je retire l'aiguille, je tire l'excédent du fil de l'aiguille et là je viens serrer le nœud là où je veux. Vous allez voir que je peux le souquer beaucoup plus loin. Le couper et l'avantage de ce nœud, c'est que je peux venir, il n'est pas fixe, je peux venir le régler comme j'ai envie. On s'aperçoit que c'est bien hélicoptère. Et je vais vous faire une photo du nœud maintenant pour vous montrer la qualité du nœud de beaucoup plus près. L'avantage principal de ce nœud en réalité, c'est que votre connectique n'est pas figé sur le corps de ligne. Donc ça permet des réglages avec les accroches Sherpa ou d'autres fonctions. Voilà, j'espère que cela vous a plu. À bientôt.